Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble, à l'aise, en voiture. Bon, va peut-être falloir la démarrer, la pute. Oh là là. Elle tourne comme une grosse chute. On va voir comment rater son permis, c'est génial. Wouh! Alors, pour la petite anecdote, on va retourner ensemble 4 ans en arrière. Bah, il fait quoi, lui? Tu fais quoi, là? Ah ouais, mais non! Mais tu fais quoi? Ils ont craqué, les gens. Ils essaient de doubler par la droite. Non, mais... T'as craqué ou quoi? Après plus de 6 mois à conduire avec un moniteur assez dur, vient l'examen. Et j'ai eu la bonne idée de dire... Tiens, et si je passais en premier? Sauf qu'on était 3 à passer l'examen. Sauf que, dans ma tête, j'étais déterminé. Mais ma bouche a parlé et a réussi à expliquer à l'examinateur: non mais écoutez, je vais passer en dernier, ça me laissera du temps pour relire et être frais. Mauvaise idée. Donc, le premier passe, le deuxième passe, et 45 minutes plus tard, vient mon tour. Donc l'examinateur vient me chercher, j'étais en PLS sur les marches. Le mec, pas frais du tout. Pas du tout. À savoir que l'examinateur, mais il avait une tête de con. Vous allez comprendre. On arrive au véhicule et il me demande de faire la vérification extérieure et intérieure. À savoir les roues, rétroviseurs, sièges et volants. Si vous passez le permis, vous devez le savoir. Une fois ceci fait et réglé et que tout le monde est dans la titine, il faut demander cette phrase magique à tout examen au permis de conduire. Elle est incroyable. Est-ce que tout le monde est attaché? Donc là, le début est 100% gagné. Là, tout se passe merveilleusement bien pendant 5-10 minutes. Les clignotants, les stops, les ronds-points, tout se passe très bien et on arrive dans la dernière ligne droite. Donc tout se passe bien et là, on arrive vraiment dans le dernier bout de route. Et là, l'examinateur prend le volant et met un coup à gauche. Et là, tout était fini. Pourquoi, vous me direz? Alors, selon lui, j'allais prendre une bordure mais qui n'existait même pas. C'est ça le pire. Selon lui, vous imaginez, j'allais prendre la bordure. J'allais monter dessus, j'allais me la prendre carrément. Incroyable. Elle n'existait même pas, sa bordure. Alors, il faut savoir qu'à l'examen au permis de conduire, il y a des épreuves éliminatoires. Si l'examinateur touche une pédale ou un volant, vous êtes éliminé. Genre, tu peux descendre, rentrer chez toi à pied, il n'y a pas de problème. C'est pas lui qui va te ramener, mon gars. On était vraiment sur la fin, j'étais au milieu de ma voie comme ceci, et là au dernier moment il me met un pétain de coup de volant à cause de cette bordure, j'allais monter dessus. Non mais franchement, tu vois la taille de la route, comment j'aurais pu monter dessus? J'avais la victoire, le permis au bout des doigts, mais je pense que ma tête ne passait pas en fait. En même temps, tu vois un Mexicain monter dans ta voiture, même moi je lui donne pas le permis. Heureusement, 3 mois plus tard, avec une examinatrice, j'obtiens enfin mon putain de permis. Ouais. Wouh. Et 4 ans plus tard, je suis un vrai pilote. Voilà, c'était l'histoire de mon permis. Alors oui, moi j'ai une voiture Tesla, elle se conduit sans les mains, il n'y a aucun problème. Les priorités à droite, elle est faite toute seule. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, c'était l'histoire de mon permis. N'hésitez pas dans les commentaires, expliquez-moi, parce que j'en suis sûr, il y en a pas mal qui ont raté aussi leur permis au moins une fois. On l'a tous raté au moins une fois. N'hésitez pas dans les commentaires, mettez-moi vos histoires les plus dingues. Comment vous avez raté votre permis de conduire, comment vous l'avez repassé. N'hésitez pas, lâchez votre pouce bleu, lâchez votre plus gros commentaire, votre histoire. On va lire ça ensemble. Il faut en rigoler au final. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, on passe un moment détente ensemble en voiture. Ça fait plaisir, on fait kiffer tout le monde. Le plus important, c'est d'en rigoler. Pour ma part, c'était Malcolm. J'espère vous faire kiffer cette vidéo. Et n'oubliez pas, la connerie n'est jamais finie. Wouh!